sensation de baber, à ne pas rater. Bonjour, ici Black Sunshine, j'espère que tu te portes bien. Je suis en compagnie de Kaijé, entrepreneuse, artiste, multifacette. C'est une artiste extraordinaire qui a une belle histoire à nous raconter. Et aujourd'hui, je voulais te la présenter parce que dès comme Kaijé, on n'en rencontre pas tous les jours. Et voilà. Salut Kaijé. Exagéré, salut. Ça va? Oui, ça va bien, ça va bien. Et toi? Très bien. Qu'est-ce qui anime Kaijé? Attends. Mes chats, je crois. C'est les premières personnes que je vois, on va dire. Okay. Les personnes qui me connaissent savent que j'adore les chats. Ah d'accord, c'est un amour réciproque. Ouais. Ok. Non, mais sinon, la musique, la danse, l'art en général, je peins aussi. J'ai besoin de créer tout le temps. Bien mieux que la blague. Bien mieux que la blague, on se connaît. On se connaît. On inspire. Ouais, c'est ça, le côté, t'as toujours envie de... Quand tu crées, tu te sens bien. Ah, c'est existentiel. Je rejoins totalement, parce que c'est vrai que quand tu passes une journée que tu crées, c'est, je sais pas, il y a une espèce de truc qui se passe en toi qui fait que... J'ai fait ma part aujourd'hui. J'ai fait quelque chose pour le monde, c'était ça. Ok, donc tu dis danse, musique. On va commencer par la danse, tiens. J'ai commencé très petite, hein, mes cours à 2h30. Ah ouais. En Italie, je suis née en Italie. Et j'étais insupportable, je voulais danser. Vas-y. On danse un peu tous dans la famille, donc c'était pas non plus très surprenant. Après, je me suis spécialisée dans le hip-hop et l'afro-jazz. Surtout en France, à mes 12 ans. C'est là que j'ai, on va dire, augmenté mes heures de travail. Tu continues jusqu'à aujourd'hui? Ah oui, je crois que jusqu'à ma tombe, je serai en train de danser à l'intérieur. Tu danses, tu reproduis aussi, j'ai vu des photos avec certains spectacles. Je suis dans le Live Bounce Crew, on est un groupe de style hip hop. Après, on est tous assez polyvalents, mais l'état d'esprit reste celui-ci. Je suis aussi dans la compagnie Cœur à Vif et on a une création qui aborde l'abolition de l'esclavage. Dans la compagnie, pour ce spectacle-là, je chante, les autres dansent et puis on a un narrateur, voilà, c'est tout un concept. Tu danses à la fois, donc tu t'entraînes professionnellement parlant, tu te produis aussi, et du coup, est-ce que tu as déjà pensé à donner des cours vu que c'est une passion que tu as? Je donne des cours depuis mes 17 ans, je suis devenue intermittente du spectacle chorégraphe à 17 ans. À travers l'école de danse Connexion. Donc le chant et la musique, tu es pianiste, oui. Chanteuse, auteure, compositrice, interprète, pas seulement. Directrice du magazine Nouvelle Mag, depuis le mois de janvier. C'est un magazine qui met en avant l'entrepreneuriat de la diaspora afro dans le monde. On peut ne pas avoir d'origine afro, mais s'intéresser quand même à l'univers africain. Et donc ça peut rentrer entièrement aussi. Exactement, ça rentre entièrement dans nos critères au niveau de la disposition et des articles qu'on met en avant. On a vraiment choisi de donner une image de tout ce qui est positif. Voilà, on a un peu marre de toutes les mauvaises choses qu'on peut dire sur le monde afro, sur son histoire, sur l'Africain en soi. On a besoin de transmettre un message vraiment positif parce que de toute façon, il y en a et que ça mérite d'être mis en lumière. On accompagne, on informe, on sensibilise et on met à disposition aussi un accompagnement visuel sur place. C'est-à-dire que s'il y a des événements, on recouvre l'événement avec nos caméras, photographes, et si même... avant un événement, il y a besoin d'une stratégie de communication, on offre cette prestation. D'accord. Du magazine. Ok, bah c'est bien en fait. Donc, magazine non seulement informe, mais aussi propose une stratégie de communication, propose de la publicité aux entrepreneurs qui le veulent. Est-ce que vous ciblez des entrepreneurs qui sont en Afrique spécifiquement? Non, pas seulement. D'Africains dans le monde en fait, oui, qui en ont besoin. C'est ça. Et du coup, on peut trouver le magazine? Alors, le magazine, pour le moment, est un peu à un niveau, je dirais. Institutionnel dans les ambassades, les agences aéroportuaires, immobilières, des restaurants. Après, on est en train de s'élargir au niveau des partenariats. Et du coup, en fait, il est diffusé en Afrique. On a nos correspondants au Sénégal, en Guinée-Conakry, en Côte d'Ivoire, on est en train de faire le Congo, et aussi la Belgique. Et voilà, là, je suis en train de préparer le train aussi pour Londres. Et bientôt, je pars à Washington, donc je vais pouvoir en parler là-bas aussi. D'accord. Tu as entendu, elle a dit qu'elle part à Washington parce qu'elle est bilingue anglais. Non, pardon, elle n'est pas bilingue anglais. Elle est italophone, francophone, anglophone, hispanophone. Il y en a quatre. Ok.
me cherchais, je me dis, attends, non, est-ce que je les ai tous? Ok, ok. Mais c'est bien parce que tu rencontres pas mal de monde et tu m'as expliqué que tu avais fait des études de presse, donc quelque part tout se rejoint en fait. Oui. Tout se rejoint quand on est là. Souvent, mais non, j'arrive pas à comprendre ce que tu fais, comment t'as le temps. Mais moi, dans ma tête, c'est très clair parce qu'une chose rejoint l'autre tout le temps. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on s'est rencontrés dans certains contextes qu'on pourra pas faire autre chose ensemble qui se rejoint finalement. Enfin, je trouve que c'est un enchaînement d'expériences et de relations. Dans mon parcours, c'est vrai que j'ai un côté plus diplomatique aussi par ma famille. Donc c'est vrai que je peux avoir une certaine connaissance de ce milieu-là plus officiel. Du coup, ça apporte quoi? De commerce international, ça va dans les arts, la culture, l'histoire, la science. Et c'est des personnes, des gens de tous les milieux avec lesquels finalement je reste en contact. Je suis née dans ça, donc je ne m'en suis pas forcément rendu compte. C'est maintenant que je me dis, mais en fait, le réseau, c'est super important. C'est trop vraiment important. Mais quand on te met dedans comme ça, tu sais pas trop, tu connais juste les gens et voilà. Et d'ailleurs, quand j'étais enfant, ça me fascinait de me dire, mais comment dans une vie on arrive à connaître autant de gens? Enfin, est-ce que quand tu réalises, tu t'es dit, mais tous les gens que tu as pu rencontrer, tu vois, et comment tu gardes un lien avec tout ça? Enfin, je pense que c'est de l'organisation, mais c'est pas infaisable en fait. Il faut savoir, personne n'est anodin finalement. En fait, je pense que si on sous-estime l'autre, quel que soit l'endroit où tu le rencontres, tu ne crées pas d'interaction en fait. Et alors que si tu as cet état d'esprit, bah, tu te rends compte que en fait, finalement, tu vas avoir des gens partout, dans tous les milieux. C'est ça. Donc après, selon ce qu'on fait et son ambition, on se dirige plutôt vers l'un ou vers l'autre. Tu rayonnes d'une certaine aura et forcément il y a des personnes qui vont être plus proches de toi que d'autres en fait. Et c'est ça la beauté de la chose. Tu as des nouvelles expériences, tu dis est-ce que je suis vraiment capable de mettre la direction du magazine. Après je viens de terminer aussi mes études de presse, enfin je ne m'attendais pas du tout quoi. Je me disais oui j'aimerais bien être journaliste dans un magazine. Et là, au premier rendez-vous ils me disent est-ce que tu veux, déjà c'est eux qui sont venus vers moi, ils me disent est-ce que tu veux être journaliste dans le magazine? Je dis oui. Le deuxième rendez-vous, ils me disent oh, on a réfléchi, on te veut dans la direction. Je fais oh, je suis d'accord. Okay. Je vais pas dire non. J'ai eu peur. Hein. Pendant deux semaines, j'avais du mal à réaliser l'ampleur hein, parce que c'est boulot. Ils m'apprennent beaucoup de choses aussi, mais finalement, je me rends compte que je suis capable, par toutes les choses que j'ai pu faire, d'apporter beaucoup de choses. Parce qu'en fait, les thématiques qu'on aborde dans le magazine sont des thématiques dans lesquelles j'ai toujours intervenu, en fait. Ce qui fait que j'ai déjà un réseau de base dans ce sens-là. Donc finalement, je suis capable de faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Comment finalement tout s'enchaîne. Les synchronicités de la vie, c'est bien juste de finir et puis au moment où tu es disponible, on te propose ça. Et puis on te propose une offre plus grande. Et en même temps, derrière, tu as prouvé par ton passé et toutes tes expériences que tu étais capable, en fait, de mêler déjà plusieurs activités, de pouvoir gérer tout un emploi du temps, etc. Parce que c'est du boulot, hein. Mais oui, mais je ne me rendais pas compte. Je ne me rendais pas compte. Et je me souviens que ma directrice de l'école de danse Connexion, Judith Senior, elle m'expliquait, elle m'a toujours dit, plus tu apprends à faire de choses, plus tu as le temps d'en faire. Je vais être une seule journée dans la casquette, celle qui a organisé une conférence. Après, j'enchaîne avec des rendez-vous pour des affaires dans le commerce international et le soir, je suis en répétition de danse. C'est très rare qu'en une seule journée, j'ai fait qu'un seul domaine par rapport à tous les différents métiers que j'ai. C'est-à-dire que pendant que je suis en train de rédiger un article pour l'interview que je dois faire l'après-midi, je suis en train de réfléchir à est-ce que j'ai un client pour telle marchandise qu'on me demande de vendre, quoi. C'est top. Donc vraiment plein de bonnes choses. Continue comme ça. Continue de briller parce que ça, c'est juste magnifique. Du coup, est-ce que tu as un message à faire passer à ma communauté qui me suit? Voyez, entreprenez, vivez, aimez. Ok.